Salut à tous et à toutes, c'est DiabloX9, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 32 de notre série We Play Zelda Skyward Sword et je suis très heureux. Alors premièrement, je vais simplement m'installer devant cette magnifique vue et lâcher les commandes 2 secondes. C'est une première, mais là je vais m'installer à mon bureau parce que je vous dois des explications. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il a mis un tel dessin en dessin sélection du résumé générique d'aujourd'hui. Alors comme la dernière fois, j'ai reçu pas mal de dessins tous plus beaux les uns que les autres, parce que de toute façon, moi, il en faut peu pour m'impressionner, hein. Je l'ai déjà répété des centaines de fois, mais moi, je sais pas faire un nuage, donc voilà, je suis pas très difficile en termes de dessin. Et parmi les dessins que j'ai reçus sur Twitter, j'ai aussi reçu un dessin par mail sur mon adresse mail writedx9, qui est dans la description de ma chaîne. Il s'agit de Julien qui habite au Québec et qui m'envoie une photo de sa petite fille qui a bientôt 5 ans, qui s'appelle Joséphine. Et il s'agit de l'interprétation de Lee de la Roulette par Joséphine. Alors, ça m'a tellement touché, je vais pas vous lire le mail en entier, mais ça m'a vraiment touché de recevoir ce dessin parce que ça m'a rappelé mes dessins. Encore actuellement, ça doit être de ce niveau, non quand même pas, mais ça m'a rappelé ces fameux dessins qu'on faisait quand on était tout petit. Quand on était en enfantine, voire même pas encore commencé l'école, et qu'on faisait des trucs. Alors moi, ce qui me touche beaucoup, quand vous voyez ce dessin, et il me le décrit dans le mail, je vais vous lire brièvement ce qui est écrit. En gros, il me dit « Après avoir visionné le début de l'épisode 30, où tu en appelles à la contribution artistique des membres de ta chaîne YouTube, elle s'est mise aussitôt au travail, et elle tenait absolument à ce que tu vois sa création. » Alors, en gros, on reconnaît Link. L'île avec bien entendu le canon au centre, le ciel bleu en haut et les balles malchance à droite. Alors ce qu'il y a de très drôle sur le dessin et ça m'a beaucoup fait sourire, c'est que c'est vrai. À l'époque, nous, le ciel, on le dessinait comme ça, on le mettait en haut et voilà, on faisait des traits bleus et voilà, on avait le ciel. Et c'est juste magnifique à quel point elle a fait ça bien. Et voilà, je tiens à le préciser comme dans l'épisode précédent que j'ai été impressionné par les autres dessins que j'ai reçus et qui vont être mis en ligne dans un album sur ma page officielle Facebook. Je vais le faire très prochainement, comme ça vous serez aussi mis en avant. Mais pour le coup, j'avoue avoir eu un petit coup de cœur pour cette petite Joséphine qui est vraiment adorable. Voilà, on te fait tous un gros bisou Joséphine et merci à toi qui es très jeune et qui suit cette série. Je te promets de dire un minimum de de gros mots, même si ça risque d'être difficile. Voilà, et salutations aussi à son papa Julien qui vient du Québec, et salutations à vous tous qui regardez cette vidéo. On va pouvoir continuer notre épisode. Merci à vous tous qui regardez cette vidéo et qui avez vraiment été adorables pour l'épisode numéro 31 que j'ai fait en compagnie de mon petit frère. Léo était ravi, il était enchanté de pouvoir voir tous les gentils commentaires qu'il y avait. Il était très content de voir que les gens étaient contents d'avoir eu sa présence durant la vidéo. Et voilà, je tenais juste à vous dire tout ça, voilà. On a, waouh, l'étui de l'épée est vraiment magnifique. Bon, ça déconne plus, hein, c'est l'épée sacrée maintenant. Oh, waouh! Oh, waouh, amazing! Oh my gosh! Oh, c'est beau ça! C'est très très beau! Ok. Et rappelez-vous, à la fin de l'épisode précédent, on avait cru comprendre que maintenant, eh bien, on allait partir à la recherche de la Triforce. J'ai fait quelques recherches, mais comme d'habitude, je vous rassure, je joue le jeu, je ne vais pas regarder de Solus ou quoi que ce soit. Je me suis juste renseigné pour savoir à peu près où je devais me rendre. Et apparemment, la personne à qui s'adresser maintenant sur Célestbourg, c'est le directeur de l'école. Premièrement, je voulais faire un petit tour par ici parce que j'ai quand même 1499 rubis. Je vais en profiter pour dépenser un peu mon fric dans un nouveau carquois. Voilà, en plus 150, c'est pas grand chose. Je suis sincèrement et profondément désolé, mais ta sacoche est pleine. Ah, ah bon, ok, alors je vais aller déposer quelque chose. Oh, la pauvre, elle me fait la tête. As-tu quelque chose à confier à la jeune femme que son cœur affreusement brisé rend plus belle chaque jour? Oui. Bien, vas-y. Oh, la pauvre, elle est blasée, quoi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir déposer? Médaille trésor, médaille de vie, petit sac de bombes. Bon, trois bocaux, honnêtement. Pas sûr que ça me soit utile. Voilà. N'hésite pas à revenir, ma beauté t'éblouira chaque jour davantage. Oh, je sais, merci. Regardez. Notre pauvre ami de vin manque à l'appel. Comme Steve Jobs, qui manque à l'appel. Oui, bon, d'accord, c'était nul. je crois savoir pourquoi. Voilà un petit carquois.
pourquoi le devin, hein, pas Steve Jobs, ça on le sait. Mais en gros, vous savez, l'objet non identifié en haut du volcan, bah en fait, je crois que c'était la boule de divination, machin truc chouette qu'il utilise. Et voilà, et voilà. Le carquois, génial. Maintenant, j'ai, je dois avoir 5 flèches de plus. On va aller en direction du directeur, mais regardez, apparemment, on a une mission par ici. Ça fait un moment que je n'ai pas vu le Deezer de Bonne Aventure dans le coin. Ah bah voilà. Je suis sûr qu'il reste chez lui à se lamenter sur sa boule de cristal fée. Tu veux bien aller voir s'il va bien? Je suis quasiment sûr qu'il habite à l'extrémité est de Célisbourg. J'y penserai. Mais pour le moment, j'ai plus important. Non, d'accord, allez, je vais aller le voir, je suis gentil. Non, plus tard. Non, parce que on va de toute façon devoir refaire un tour dans la forêt, dans le volcan et dans le désert. Donc, d'abord la forêt. Et une fois qu'on ira dans le désert, dans le volcan, étant donné que la boule est là-bas, j'irai lui parler. Maintenant, direction l'école. Mais d'abord, pardon, hein, mais il faut que j'aille encore dépenser mon fric. Où est-il? Où est-il? Terry, montre-toi. Vite, Terry est là. Sors ton arc, Link. Non, 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 ça va être chaud. Oh, c'était chaud. Ah zut, maintenant faut que je monte. Vite, 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 vite. Wait me. Ah, il est où? Il est où? Où est-ce qu'il est? Il est là. J'arrive. C'est bon. De toute façon, là, ouais, là, j'ai 1349. Combien est-ce que j'ai de machin truc chouette de reconnaissance, là? Comment est-ce qu'on regarde ça, déjà? Ah. 38. Combien est-ce qu'il m'en fallait? Je me souviens plus. Plus en tout cas, ça j'en suis sûr. Allez. Qu'est-ce que tu as à me vendre, Terry? Un quart de cœur. Allez. Oh, t'as bon goût, monsieur client. Ça en jette, hein. Je l'ai ramassé dans le coin. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais je suis sympa. Je te le fais à 1600 rubis. Mais bah oui, mais vas-y, mais fais-toi plaisir, mon gars. Pourquoi pas 10 000 rubis tant que t'y es? Oh, mais mon dieu, quoi. Ouah, wow, attends, regarde un peu le reste de ma marchandise. Bah, c'est pas comme si t'avais plus rien du tout, mais... Oh, ça c'est une médaille insecte. Oui, ça me serait pratique pour le coup. Oui, ça je veux. Vous avez obtenu la médaille insecte. Voilà, il y a la consigne. C'est sa pédale. Hop. On va vite refaire un tour vers ma pauvre. Elle va croire que j'insiste, mon dieu, la pauvre. Et je vais... Allez, équiper ce truc, parce qu'il me faut, pour équiper mon... Ah, comment ça s'appelle? Vous savez le truc qui vole, là, le scarabée volant, voilà. Il me faut des larves de guêpes, et puis d'autres insectes pour d'autres objets à améliorer. Donc autant essayer d'en ramasser un maximum. Et pour ça, on va devoir mettre toutes les chances de notre côté. Médaille de vie, médaille cœur... Bon allez, on s'en fout, on va s'enlever un cœur de vie. Je le regretterai quand il me manquera un cœur pour battre un boss. Mais c'est pas grave. Voilà. N'hésite pas à revenir, ma beauté. Ma beauté, oui, enfin t'as compris. Oui, direction le directeur cette fois-ci. On y va. On arrive dans le dernier quart de l'épisode. De l'histoire, selon moi. C'est toujours comme ça dans les Zelda, hein. Il y a trois premiers temples, ensuite il y en a trois nouveaux, des fois on retourne dans les trois mêmes. Et encore une fois, il y a trois nouvelles choses à trouver, en l'occurrence bah, trois fragments de la Triforce, et le jeu se termine gentiment après. Bah, ça va être à peu près ça, si vous voulez mon avis. Je sais qu'il faut que j'aille là-dedans, si je ne m'abuse. Ou non, attendez, on va aller voir déjà le directeur. Je sais qu'en tout cas, il y a un type là-dedans qui peut m'apprendre une attaque spéciale avec le... avec mon oiseau. Hey, salut, Kiko. Salut, Benoît, ça va bien? Quoi? La Triforce dissimulée par la déesse? Non, je sais rien à ce sujet, désolé. Pour ce genre d'information, tu devrais demander au professeur. Ok, alors, il me faut... Non, la salle de bain, non. Surtout pas pour aller voir les dégueulasseries que le directeur fait là-bas la nuit. Zelda. Grida. Bradladla. Ah non, Ulul. La halul. Chambre Arfan. Ah oui, c'est lui qui doit m'apprendre quelque chose, j'ai entendu dire.
On va bien aller voir. Ah, mais c'est le papy, Arfan. Qu'est-ce que tu fais au même étage que les filles, lui? Toi, hein? Tiens, Benoît. Comment? La Triforce? Désolé, je ne peux pas t'aider. Si tu allais demander au directeur. Hé, hey, apprends-moi le nouveau sort, là. Hop, allez, allez, allez. Ah. Et bah pour le coup, je vais fouiller ton armoire. Mais Arfan, qu'est-ce que c'est que ce fouet? Qu'est-ce que c'est que cette tenue en cuir? Bon, allez, je referme, je n'ai rien vu et je m'en vais. Ça va, il est pas trop près de la chambre à Zelda, j'ai pas de soucis à me faire. Par contre, il est juste à côté du directeur. Bon, on va arrêter. Oh, monsieur le directeur qui regarde ses livres d'un air pensif. N'est-ce pas? Hey Benoît, tu as retrouvé la piste de Zelda. Lui, je le vois avec la grosse voix du mec qui fait la voix pour les boîtes de Kellogg's. Je suis sûr que vous voyez la voix qu'il a. Vous savez, la voix du tigre. Tu ne peux pas en parler maintenant, dis-tu, même si tu aimerais pouvoir le faire. Benoît, j'ai bien réfléchi à ce que je pouvais faire pour toi. Ta quête pour retrouver Zelda te contraint à la solitude, c'est là ta destinée. Donc je dois finir tout seul, c'est ça? Je me suis donc demandé ce que ce vieillard comme moi pouvait t'apporter. Et c'est la connaissance! Tu peux me poser n'importe quelle question concernant Salisbourg. En fait... Comment? Ce que je sais sur la Triforce? Où as-tu entendu parler de ça? Il existe de nombreux écrits anciens qui traitent de la Triforce, mais aucun ne fait mention du lieu où elle se trouve. Cela reste donc un mystère. Je t'avais promis la connaissance et je ne peux t'en apprendre plus. Tu m'en vois réellement désolé. Bon, t'es sérieux? Mais à Salisbourg, ceux qui connaissent les légendes anciennes sont peu nombreux. Oh, la mémé peut-être? Attends, une seconde, Benoît. J'ai peut-être une piste. Tu sais qu'il existe un esprit des cieux, très ancien, appelé Narisha, n'est-ce pas? On dirait un nom de shampoing, mais à part ça, aussi loin que remonte la mémoire, Narisha, dont les connaissances dépassent l'imagination. Narisha, il sait certainement quelque chose sur la Triforce. Où est-il? Bonne question. Comme tu l'as toi-même remarqué, un étrange cumulonimbus géant a fait son apparition dans le ciel récemment. Il est fort possible que Narisha ait été enfermée à l'intérieur. J'ai donc demandé à Maître Arfan de vérifier cette information en étudiant cet énorme nuage. Il ne m'a pas encore rendu son rapport avec toute cette agitation. Pourquoi n'irais-tu pas demander à Maître Arfan ce qu'il sait sur Narisha? Ah, il va enfin pouvoir me dire autre chose que de la merde, le mec à côté. Arfan. Arfan les manettes. Ah. Oh, Benoît, comment se passe la recherche de Zelda? Tu l'as trouvé? Quoi? Le grand Narisha, c'est le directeur qui s'en a parlé. Oui, il se trouve bien à l'intérieur du cumulonimbus. Mais il ne s'agit plus du Narisha que nous connaissions. C'est un monstre. Il a même apparence. Il a la même apparence qu'auparavant, mais lorsque j'ai essayé de l'approcher, il m'a attaqué. J'ai lu dans ses yeux qu'il me voulait une haine profonde. Est-ce qu'il alors je suis fatigué? Ou bien est-il possédé? Oui, j'ai eu cette impression. Quoi? Tu voudrais lui parler? C'est impossible. Il n'est plus en mesure de comprendre le langage des humains. De plus, la dernière fois que j'ai tenté de l'approcher pour lui parler, j'ai failli me faire dévorer. Quoi? Tu souhaites le rencontrer quand même? Je vois. Tu penses qu'il pourrait t'aider à retrouver Zelda. Je comprends. Il ne m'appartient donc pas de tenter de t'arrêter. Oh, il me vient une idée. Suis-moi. À l'intérieur du cumulonimbus, le grand Narisha avait l'air possédé. En éliminant la source du mal de son corps, il est peut-être possible de rendre à Narisha son esprit d'antan. Benoît, je vais t'apprendre la technique secrète des chevaucheurs, l'attaque tornade. L'attaque tornade est une puissante attaque grâce à laquelle tu pourras éliminer le mal qui infecte Narisha. Il te suffira d'appuyer sur A pour la réaliser. Mais comme elle provoque une accélération plus longue que l'attaque normale, ton oiseau sera plus difficile à contrôler. C'est une technique de haut vol réservée à l'élite des chevaucheurs. C'est un peu tôt pour toi, mais le temps est venu de tester tes compétences. Commence par plonger et monte sur ton oiseau. Youhou !
Eh oh, j'ai dit de plonger là. Plonger. Bah oui, bah ça va être super simple. Je veux pas plonger. Quelle musique entraînante. Bien, Benoît. J'ai appris à ton célestrier à tournoyer lorsque tu appuies sur A. J'ai moi-même posé ces trucs sur les rochers dans les airs. Tu dois utiliser l'attaque tornade en appuyant A pour détruire 10 cibles parmi les rochers devant toi. Si tu parviens à détruire 10 cibles en moins de 120 secondes, tu seras un véritable chevaucheur. Bien, c'est parti. Il m'en faut 10. Et de 1. Youhou. Allez. On va bien se mettre bien tout droit. Hop. Allez, on tourne. Allez, peut-être la double. Non, dommage. Oh, lui là-haut. Oh non, ça va être difficile. Mon dieu, ce que c'est pas maniable. Mais non. Allez, on se prépare. Oula, tout à fait Thierry, ce soir un Link de grande classe qui a bien entraîné son oiseau, qui semble malheureusement avoir un peu abusé sur la boisson. Il n'a pas bu que de l'eau, ça c'est sûr. Oui. Il manque encore 6 objets en moins de 57 secondes, ce qui fait moins d'un objet toutes les 10 secondes, Thierry. Je sens que nous allons devoir assister à un deuxième round. Ouais, ça va être chaud, hein. Quoique. Si tu veux, tu peux. Come on, bitches, you can do it. Allez. Oui. Allez, 30 secondes. Allez, tu peux le faire. Allez, ok, il y en a un là. Pouh, j'ai cru que je passais à côté. 22 secondes, that's gonna be hot. That's gonna be fucking hot. Mais on va y arriver. Ou pas. Ou peut-être que oui, ou peut-être que non. Come on, mais pourquoi il fait des zigzags, ce foutu piaf. Ok, c'est foutu. Ah, dommage, il m'en manquait deux. Bon, bah Link, tu sembles pas être au niveau, hein, il va falloir arrêter. Fin du jeu, merci d'avoir joué. Il te reste encore des progrès à faire avant de réussir à détruire d'ici en moins de 120 secondes. Blablabla. Je suis prêt à repasser le test. Oui. Allez. Oui, bah j'espère bien que je peux plonger. Non mais oh. Attendez, je pense que la solution réside dans la boisson. Il faut que je boive. Pour être en osmose avec le taux d'alcoolémie de mon oiseau. Allez. Mais oui, mais on s'en fout là. Allez, voilà. Allez, on bourre maintenant là, on est des jeunes. On est fort. On est précis, on va louper aucune cible tellement qu'on est trop bon. Ou on va faire une double. Ah génial, ah mais vraiment génial, hein. Bien joué là pour le coup. Aïe. Là. Hop. On se tourne. Et on chope direct le truc juste au-dessus. Là. Allez mon gars, déconne pas. Déconne pas. Voilà. Ensuite, on descend un petit peu. Et on va aller choper celui-là. Ensuite, on va aller voir le petit piaf à la con, là, juste là. Qui va en prendre plein la face. Voilà. Ensuite, lui. C'était court, hein. C'était court, mais ça passe. On se retourne. Hop. Il y a une cible là-haut. Une cible facile, qui plus est. On se retourne. Il y en a une juste là, au centre. Et on va terminer avec celle-ci. Oh là là, mais quelle classe, Thierry! Bien joué. Bien joué. Merci, Benoît. Merci. Ah, merci. Et on a eu les 10. Bien joué.
Oh, tu as réussi à détruire 10 cibles dans le temps imparti. Vous avez brillamment démontré vos compétences, ton célestrier vermeil et toi. Je t'autorise donc à utiliser l'attaque tornade des véritables chevaucheurs. Il te reste à trouver le grand Narisha. Pour cela, va parler au patron de la citrouille perchée, qui lui offre chaque année de la soupe. Ah, je suis pas sûr d'avoir envie d'aller retourner le voir, lui. Mais bon, je n'ai pas le choix. Alors j'y vais. Let's check the map. Bon, allez, on lance le GPS. Bon alors, Georgette, active le GPS s'il te plaît. Tac. Au prochain caillou, tournez à droite. Allez tout droit et passez à gauche du halo lumineux vert. Plus que 15 battements d'ailes avant l'arrivée à la destination. Allez. Oi ! Attention, une tornade en face de vous. You're gonna be fucked. Allez ! Youhou, c'est génial, je fais des tornades dans les airs. Et on arrive à l'île de la citrouille. Oh, regardez des petits oiseaux, si c'est pas mignon. Oh, 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 là, 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 qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Et un atterrissage tout en douceur, comme d'habitude, voilà. Rappelez-vous, il y avait un défi que j'avais pas fait sur cette île. Il s'agissait de faire un concert, je crois. Et je l'avais pas fait. On va peut-être pouvoir réitérer l'expérience. Waouh, il y a toujours autant d'ambiance à ce que je vois. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Je sais reconnaître le visage d'un jeune homme perturbé. Et toi, gamin, tu as l'air perturbé. Narisha? Je connais bien Narisha en effet, mais je ne savais pas qu'il avait des ennuis. Tous les ans, je lui apporte une grosse marmite de soupe de citrouille, pleine à ras-bord. Mais avec ce gros nuage, je ne peux plus m'en là-bas. Résultat, Narisha n'a pas eu de soupe cette année. Ça m'ennuie énormément. Que dis-tu? Tu veux bien apporter ma soupe à Narisha? Je ne vois pas comment tu comptes régler le problème du nuage, mais bon. Puisque c'est à Narisha que tu vas essayer d'apporter ma soupe, je vais faire la meilleure qui soit. Attends-moi ici, je viens d'être saisi d'une irrésistible pulsion de création culinaire. Oui, bah tu vas faire une soupe, quoi. Oh putain. Et voilà. Cela fait des décennies que je suis dans le métier, mais tu peux me croire, c'est la meilleure soupe de citrouille que j'ai jamais faite. Maître, je vais immédiatement convoquer le robot. Oui, je crois, hein. Ça va être un peu compliqué sinon. Fais ma beauté bleue, me voilà. Peut-être qu'un jour il va se rendre compte qu'on l'utilise juste. Et ben voilà une cargaison qui pèse son poids. Mais je ferai n'importe quoi pour Fée. Bon, je t'attends dehors, on part quand tu veux. Alors la question c'est comment il passe la porte. Après je dis ça, je dis rien. Mais bon. J'apportais toujours ma soupe à Narisha sur la petite île avec un arc-en-ciel à l'intérieur d'une gros nuage. Eh bien, allons-y. Double rainbow. All the way. Hop là. Où est-ce qu'il est? Papillon. Look out, I've spotted some papillon. Butterfly. Boing. Hop là. Oh. Ne s'agirait-il pas d'une gélatibule? Oh mon dieu, que suis-je bête. Il s'agit d'une griffe de monstre. Heureusement que cette description revient à chaque fois. Sinon, je me serais trompé. Allez, on y va. Allons sauver le pauvre Narisha. Roger, j'ai une citrouille non identifiée juste derrière moi. Eh ben c'est parti. Vu que c'est sur le chemin, je crois qu'on va faire un tout petit arrêt.
près de l'île de la roulette. Regardez, il y a un trésor là. Il y en a même deux. Allez, c'est parti. En tout cas, vous pouvez pas imaginer à quel point ça me fait plaisir de faire cette série et de voir que ça continue enfin à bien marcher, je veux dire, dans le sens, moi je honnêtement je fais pas attention hein, que ça fasse 150, 200 000 vues, 400 000 vues, c'est pas ça l'important. Si vous voulez, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir qu'il continue à y avoir des gens qui me demandent tous les jours quand est-ce que le prochain épisode il sort, etc. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut me spammer, mais en tout cas ça me fait super plaisir de voir que vous continuez à suivre la série et ça me fait toujours un énorme plaisir de la réaliser, bien entendu. Même si vous le voyez, je peux pas toujours suivre un rythme particulier parce que moi ma marque de fabrique un petit peu c'est de faire les vidéos. Prends ça dans ta gueule. Finalement, c'est de faire les vidéos lorsque j'en ai envie, lorsque j'en ai la motivation. Et finalement, je pense peut-être que c'est cette pureté qui fait ma force, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je me forcerai jamais à faire une vidéo. Et là, je crevais d'envie de continuer cette série en votre compagnie. Et comme j'avais promis que ma prochaine vidéo serait sur Zelda, j'en ai pas fait d'autres entre-temps. Tout simplement. Allez, je résiste à la tentation, je vais pas aller dépenser mon fric sur l'île de la roulette. Ah mais attendez, où est-ce qu'il est le trésor? Il est là en bas. Ouais, il m'a l'air d'être là. Oh le con. Oh putain. Pardon. Attendez. Comment qu'on saute déjà? Ah oui, comme ça. Hop là. Oh oui. Mmh. 300 rubis. Ça fait du bien. Ça fait du bien, rien à faire. Ah, ça me détecte. Regardez, ça me détecte un truc de la DS sur cette île. On va aller voir ça. De suite. En plus, le trésor semble être sur cette île. Donc, on va aller voir. Oups. Alors, où est-ce qu'il est le trésor? Ah, il m'a l'air d'être... Ah, oh, peut-être qu'il est dans le nuage, en fait. Ok, là, je vais avoir besoin du grappin, si je ne m'abuse. Ah, d'accord, ça détecte aussi ça. Oui, c'est le grappin qu'il me faut. Hop là. Oh, oh, médaille de durabilité. Ah d'accord, je ne suis pas un grand consommateur de potions, mais je pourrais le refiler à Célestin. Ça lui plairait certainement. Ouais, ça lui plairait même très certainement. Ok, il y a un trésor juste là en bas. Et je l'avais pas vu. Regardez. Eh non, mais comment je suis censé aller là en bas, moi? Attendez, attendez. Ah! Oui, forcément, ça va... C'est un peu plus safe, hein, dans le genre de descendre comme ça. Bah, dis donc, trois trésors sur la même île. Ils avaient plus d'aide ou bien ils voulaient vraiment plus faire d'île? Bon, bah, allez, c'est parti, hein, médaille de vie. Vous allez voir, je vais ramasser 20 médailles de vie, ça me fera 20 cœurs de plus. Bon. Allez, cette fois-ci, on déconne plus. Et on y va. D'accord, j'ai aussi des trésors qui m'attendent là-dedans, apparemment. Donc bon. Déjà, il va falloir rentrer. Et... Ouais, je peux pas passer à travers là, quoi. Il faut absolument que je passe par le rayon lumineux qu'il y a là-bas. Ce qui nous fait faire un magnifique détour. Mais bon, ça, je pense que vous commencez un peu... à avoir l'habitude. Youhou, je m'envole, je vole comme un petit papillon, je vole comme un oiseau. Bon, c'est un petit peu un oiseau aussi, vous me direz. Mais bon, là n'est pas la question. Tiens.
Dommage que Link y fasse pas d'autres bruits. Bon, je pense que si Link parle, ça le ferait pas. Mais bon, il pourrait aussi pas faire de bruit, quoi. Oh putain, on dirait vraiment qu'il a bu, hein, mon oiseau, là, franchement. Boire ou voler, il faut choisir. Alors, on a un trésor là-haut. Présence d'insectes. On va aller là-haut et on va aller voir. Oh, on se calme. On se calme de suite. Moi, je les aime pas, là, les petites bébêtes qui volent, hein. Franchement, je trouve pas ça top. Alors, est-ce que c'est sur cette île-là? Ça n'a pas l'air. Ah, il est là. Mon Dieu, une corde. Et de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a de si important là-haut? Oula. Oh, zut. Ah. Ah. J'entends un insecte. Oui, bon, c'est pas avec ça, Link, que tu vas y arriver. Je cherche d'où vient le bruit d'insectes, en fait. Oula, oulala. Bon, le trésor n'est pas là. Elle est bizarre cette île, très franchement. Un petit peu bizarre comme elle est faite. Elle a une forme assez particulière. Ouais, puis maintenant j'ai paumé le trésor. Ok, le trésor est là. Ah, attendez. Quelle classe. Ok, ça sert à gagner du temps, j'imagine. Ah. Ah. Regardez ça. Oh oui, oh, c'est ça qu'il me faut. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment capturer des larves d'abeilles. Ne vous approchez surtout pas trop. Il ne faudrait pas les déranger. Ah. 4 guêpes mojo. Ok, et maintenant tu cours. Tu cours très vite. Ah. Ou tu en chopes d'autres. Oh oui, oh c'est magnifique. Oh c'est le pactole. C'est le pactole et je me pète la gueule. Viens. C'est le pactole. C'est le pactole. Magnifique. Bon, maintenant les larves d'abeilles sont là-dedans. Oh non, mais comme... Pff, oh. Attendez, je crois que ça va plus vite d'y aller comme ça. Oui, effectivement, ça risque d'aller plus vite. Ah, je sais, attendez. Si je donne un coup de grappin là-dedans. Oui! Yes! C'est exactement ce qu'il me fallait. Ok, maintenant tu sors ton... Non, pas ça. Ça.
C'est le pactole, mes amis. Oh, je les ai toutes chopées. Oh là là. Mais quelle classe. Bon. Maintenant, le trésor, où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Précisément, juste là. Oh. Ouais. Ouais, enfin, pas si précisément que ça, mais... Non, mais sérieux. Regardez, il est par là, le trésor, non? Oui, il est là. Et comment je vais là, moi? Oui. On va voir, peut-être par là. Ouais, ça va être compliqué, hein. Oui, bah oui, bien sûr. Ah, putain. Bon, je pense qu'il va falloir compter sur ma précision légendaire d'atterrissage avec mon oiseau. C'est parti. Vous allez voir, là, comme par magie, je vais me retourner et je vais être à 15 mètres de l'île. Voilà. Ah non, même pas tant que ça. Non, c'est pas aussi choquant que sur les autres îles. Alors, on freine, on freine, on freine. Ouais, pas trop quand même. Et... Yes! Allez, pas de geste brusque. Ce qui nous fait déjà 3-4 trésors dans le même épisode. Oh, magnifique. Plus qu'un. Oh putain, j'ai eu peur. C'est bon. Et maintenant, on s'en va. Allez, le prochain trésor une autre fois. Là, j'ai envie d'attaquer cette île arc-en-ciel. J'espère qu'il est pas trop hard à calmer l'autre là, parce que... Enfin, je sais pas à quoi m'attendre, mais... Oh, on se calme. Je ne suis qu'un petit livreur de citrouilles. Rien de plus, rien de moins. Elle est bonne, ma soupe aux citrouilles, elle est bonne. Commande spéciale pour Narisha. Narisha, et Narisha, est-ce que quelqu'un qui se prénomme comme ça est par là? Ah bah voilà. Bon, je dépose la soupe ici, c'est pas très rassurant comme endroit. Pouitch. Allez, je me sauve. Ouais, bah c'est ça, dégage. Oula. Oulala, oulalalala. Oh mon dieu, c'est quoi ce machin? Ah non, 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 moi j'ai pas signé pour ça, hein. Non, 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 moi je livre des citrouilles, c'est tout ce que je fais. Ah non, 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 hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'imagine qu'il va falloir péter les yeux derrière, là, avec les avec l'oiseau. Ouah, la taille. Waouh, ok. Je m'en vais, je m'en vais. Il n'y a pas de souci, je ne veux surtout pas vous déranger. À moins que je doive le faire avec l'arc. Ah, ça m'a l'air de fonctionner. Mais bon, à cette distance, voilà quoi. Non, non, non. Dommage. Attendez, je vais tenter un petit dernier, genre comme ça. Oui. Oh, dommage. Ok. On y va. On va aller le sauver. Oui, parce que dans le fond, c'est un bon type. Hein. C'est juste qu'il est possédé. J'arrive, Narisha. Allez. On freine un petit peu. Allez. Oh, mais c'est vraiment pas pratique à contrôler par contre. Voilà. Et voilà. Oula.
Ça m'a l'air spécial ce machin quand même, hein. Oh, je sais ce que je dois faire. Mais je crois que j'ai plus de bombes en fait. Ah non. Ouais, j'aurais pensé devoir mettre une bombe, vous voyez, dans le trou, mais... Oi, 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 oi. Bon, comment je vais tuer ça, moi? Ah bah, il est pas beau, lui. Ah bah, tout simplement. Allez, à la Ganondorf. Ah, merde, ça marche pas. Ah non. Hop! Allez, encore une. Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Parce que ça me paraît un peu simple, quoi. Ok, c'est noté, l'aspirateur, ça ne marche pas. Hey, mon pauvre gars, mais je peux rien faire avec toi là, sérieux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oh mais je fais trop court quoi, allez, enfin mais quel bob. Voilà. Oh, vite, 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 dans l'œil, dans l'œil, dans l'œil. Bof, oui non. Ah bah oui, tout simplement, je suis bête. Ces monstres, cette façon d'achever les monstres en plein dans l'œil et cette animation même, c'est propre à quasiment tous les boss de Zelda. Et vous le remarquerez, mais depuis Ocarina of Time, en passant par, par Majora's Mask, Wind Waker, etc., il y a facilement deux ou trois boss comme ça. Par jeu où finalement, bah, ils ont des yeux vraiment énormes. Et pour le terminer, quand il faut l'achever, bah, il est au sol et vous frappez son œil et il fait exactement la même animation que vous venez de voir. Regardez celle-ci. Vous frappez et puis il y a ça, il y a ce bruit bizarre et... Et voilà. Allez, on a presque terminé et le gros méchant, il va s'en aller. Oups. Voilà. Roger Federer qui prépare son coup droit, magnifique lift. Et on va terminer sur un magnifique smash. Un ace si possible. Ah, ah, il me met des feintes, d'accord. Et bah ça va partir sur un revers j'imagine. Et oui, ça va partir sur un revers, et voilà. Bien coupé, bien slicé. Bon allez, il t'en faut plus encore, ou bien? Ouais, faut croire. Ah! Ah mais il fait peur ce machin quand même, hein. Merde. Ouais, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Allez, concentre-toi. Hop. Non, bah, je me dis, est-ce qu'il faut encore toucher ses oreilles, là? Mais je crois pas. Voilà. Non, même pas. Oh, mon Dieu, ça dure. Ouf. Enfin terminé. Allez, il va pouvoir retourner en paix tranquillement.
Et il va pouvoir déguster sa magnifique soupe de citrouille tranquillement maintenant. Ah, là il a une bonne gueule. C'est toi qui m'as apporté ma soupe de citrouille préférée, petit humain. Après avoir été possédé par cette atroce créature, j'ai perdu mon esprit. Mais cette soupe que j'aime tant me rappelle celui que j'étais. Merci, petit humain. Je suis Narisha, le grand esprit qui veille sur les cieux. Je servais la déesse Ilia, aujourd'hui disparue. Tu t'appelles donc Benoît, petit humain. Tes parents t'ont donné un très joli nom. Oh, mais cette épée et ce pouvoir en ton cœur. Benoît, tu es donc le héros élu par la déesse. J'en déduis que tu es venu me parler de la Triforce. Oui. Je m'en doutais. Très bien, je vais te dire ce que je sais. Comme tu le sais sans doute, lorsque les serviteurs du mal ont essayé de s'emparer de la Triforce, la déesse a tout fait pour les en empêcher. Elle a donc caché la Triforce à Célesbourg, dans un endroit connu d'elle seule. Je ne sais donc pas non plus où elle se trouve, mais la déesse m'a laissé un indice. Et c'est le chant du héros que tu peux jouer avec ta lyre, petit humain. Le chant du héros est la clé qui mène à l'endroit où la Triforce est cachée. La déesse a divisé le chant en 4 mélodies et en a donné une à chacun des 3 dragons, ainsi qu'à moi-même. Tu dois donc rassembler toutes les mélodies du chant du héros. Lorsque tu auras obtenu les 3 premières, je compléterai le chant en te chantant la dernière. Bien, les dragons se trouvent dans la forêt de Firon, au volcan d'Ordine et au désert de l'Anel. Va les trouver. Tout simplement, pas plus compliqué que ça, je peux m'en aller et je sais dans quelle direction je dois partir. Magnifique. On va certainement pouvoir diviser ça en 3 grands épisodes. Pour chaque région, donc là ça aura été un épisode un peu plus transition finalement. On aura quand même fait un boss assez sympathique. Et un épisode d'environ 45 minutes, je crois. Ouais, on doit être dans ces eaux-là, là, j'ai pas le chrono sous les yeux. Et voilà. Comme d'habitude, ça m'aura fait énormément plaisir de l'enregistrer pour vous. J'espère que vous serez détendu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Ça ne vous prend que quelques secondes, pensez à laisser un like s'il vous plaît. Et si par hasard vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas de compte YouTube, même pas quoi que ce soit, pensez à le faire, ça prend que quelques secondes et vous pourrez vous abonner à ma chaîne. Ce sera rapide et pratique pour retrouver les prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne. En attendant, merci à vous tous de suivre ce que je fais, ça me fait toujours autant plaisir. Et si vous voulez continuer à m'envoyer des dessins comme certains le font, vous pouvez le faire sur Twitter en particulier, ou à l'adresse qui est affichée sur ma chaîne. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde.